contingent 88-2, Laurent Gressier est appelé sous les drapeaux le 3 février 1988 et rejoint le 40e régiment d'artillerie au camp de Suip dans la Marne. C'était l'époque où la durée du service militaire était d'un an, qu'il mit à profit pour suivre différentes formations dans le domaine de la mécanique automobile et en obtenir les certificats. Il est nommé à la distinction de première classe le 7 septembre 1988. Son temps terminé, il se porte volontaire pour un service long. Une prolongation de 6 mois lui est accordée, prolongation renouvelée pour une seconde période. Il est libéré le 1er février 1990 et 6 mois plus tard, il souscrit un engagement d'un an qui le conduit à être affecté au 11e régiment d'artillerie de marine, le 11e Rama, héritier du 11e régiment d'artillerie coloniale. Le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweït. Sous mandat de l'ONU, se forme une coalition de 34 pays, dont la France, qui met sur pied la division d'Aguet, au sein de laquelle est incorporé le 11e Rama. Par voie maritime et au départ de Toulon, l'unité rejoint Rameux en Arabie Saoudite, avant d'intervenir en Irak en février-mars 1991, lors de l'opération Tempête du désert. Le 13 avril suivant, c'est le retour en France et Laurent est nommé caporal le 1er février 1992. Du 14 décembre 1993 au 23 juin 1994, le 11e Rama est en opération en ex-Yougoslavie, plus spécialement à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, dans le cadre de la Force de protection des Nations Unies, l'UNPROFOR. Laurent Gressier arrive en fin de contrat le 18 juin 1995 et rejoint la vie civile. Pour les porte-drapeaux, portés. Titulaire des décorations suivantes. Médaille de bronze de la Défense nationale avec agrafe artillerie. Médaille d'outre-mer avec agrafe Moyen-Orient. Médaille saoudienne de la libération du Koweït. Médaille de la libération du Koweït. Médaille UNPROFOR avec agrafe ex-Yougoslavie. Laurent Gressier reçoit ce jour la croix du combattant, décoration qui lui est remise par le lieutenant-colonel Villeroux, commandant la gendarmerie mobile stationnée à Bène. Monsieur Gressier, au nom du ministre de la Défense, décernant la médaille du combattant.